Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer de la fumée avec Blender. Donc très simplement, ici j'ai une scène sans cube. Pour obtenir une scène comme celle-ci, il vous suffit de supprimer le cube qui se trouve au centre de la scène. Donc nous allons ajouter un objet de type plan. Donc nous allons faire Shift A et choisir Plane. Nous allons ensuite créer le simulateur de fumée, donc pour cela rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la touche espace et d'appuyer sur la touche Q. Et ici nous voyons que dans le petit moteur de recherche qui est apparu avec la barre espace, nous avons différentes possibilités. Nous avons Quick Four qui permet de créer rapidement une fourrure, Quick Explode qui permet de créer rapidement une explosion, Quick Smoke qui permet de créer rapidement de la fumée. Bon, Quit Blender, ça veut dire pour quitter Blender, ça n'a aucun rapport. Mais bon, ça commence par la lettre Q, c'est pour ça que ça a été sélectionné. Et Quick Fluid qui permet de réaliser rapidement un générateur de fluide. Donc nous allons faire Quick Smoke. Et nous voyons que dès que nous créons Quick Smoke, un cube est apparu. Ce cube est le domaine dans lequel la fumée sera. C'est-à-dire que pour créer de la fumée dans Blender, il faut forcément que ça fasse partie d'un domaine. C'est-à-dire que la fumée ne sortira jamais de ce cube-là. C'est-à-dire que quand la fumée rencontrera la paroi ici, la paroi au-dessus et la paroi sur les côtés, elle s'arrêtera. Et le plan que nous avons créé sera l'émetteur de la fumée. Donc nous allons faire Alt A pour démarrer la simulation. Et nous voyons que cela génère le simulateur de fumée. Donc la surface d'émission de la fumée est assez importante, c'est pour ça que le temps de calcul est assez long. Je simule la fumée en basse résolution. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment augmenter cette résolution. Donc c'est tout pour ce tutoriel sur la façon rapide de générer de la fumée avec Blender. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt pour un tutoriel plus poussé sur la façon de générer de la fumée avec Blender.